Bonjour, bienvenue à la petite histoire confinée de Charlotte. Aujourd'hui, je vais vous lire le lit des parents de Christine Naumann-Villemain. Le lit des parents. Toutes les nuits, Léo va dans la chambre de ses parents. Une fois, parce qu'il a mal à sa piqûre de moustique. Une autre fois, il a trop chaud un petit doigt de pied. Ou alors, son doux humain s'est égaré. Parfois, il a soif ou envie de faire pipi. Et certaines nuits, souvent, il a très, très, très faim. Ou bien, il a fait un cauchemar. Maman, j'ai peur Tu as peur de quoi demande maman d'une voix très endormie. J'ai peur. Des abeilles qui ont des fusils les abeilles qui ont des fusils, ça n'existe pas, proteste maman, bâillon Retourne te coucher. Mais quelques minutes plus tard, Léo revient. Papa, j'ai peur des abeilles qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'elles te font, ces méchantes qui n'existent pas Bon, elles me font peur, tiens. Et c'est comme ça que Léo finit la nuit dans le grand lit de papa-maman. Quand les parents ne dorment pas encore, ils ramènent Léo dans sa chambre. Mais souvent, les parents dorment. Mais papa et maman en ont assez. Le lit des enfants, c'est pour les enfants. Et le lit des parents, c'est pour les parents. Léo, cette fois, tu restes dans ta chambre. Cette nuit, c'est la grande nuit d'hibernation des ours. Nous allons dormir jusqu'au printemps. Alors, chacun dans son lit, c'est compris Oui. Mais dès que les parents sont endormis, Léo se sent un peu triste. Et puis, papa et maman sont blottis, eux, tout nous Léo aussi veut son câlin. Alors, il prend son doux humain et se glisse sous leur couette. Cette nuit est très longue, vraiment très longue. Parfois papa se gratte, parfois papa ronfle, parfois maman se trompe. Mmh, mon gros chéri Marie, mmh, quel bon gros bidon Il arrive que papa se retourne, il arrive que maman fasse un petit prout ou que papa rêve. Et puis maman tire toute la couverture. Léo veut son doux humain. Oh il est sous les fesses de papa, pauvre doudou. Léo tire douze humains par une patte. C'est dur, il faut chatouiller un peu papa pour qu'il remue. Oh, tu es tout écrabouillé. Léo réfléchit. Pfff. Si je me rendors et que tu passes toute la grande nuit ici, papa ou maman vont encore t'écraser. Et tu ressembleras à une vieille crêpe au printemps. Alors, Léo décide de ne pas dormir pour protéger son doudou. Mais ce n'est pas facile. Allez, viens, mon doux humain. Je sais où tu seras bien tranquille et bien au chaud. Hein, quoi Qu'est-ce que tu dis, doux humain T'as soif Voilà. Quoi Tu as mal à ton petit doigt Là, voilà, un bisou, un peu de pommade de mon cœur. Et c'est fini. Ne t'en fais pas, mon petit doudou. Je serai toujours là pour toi. Allez, rendors-toi. Et c'est la fin. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.